السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو خاص بالدروة كوميرسيال ديال السيمستر 4، هذا البارتي رقم 12 بارتي 12 اللي غادي يكون الإبيزود الثاني ديال ليكسبليكاسيون ديال لي سوسيتي كوميرسيال أو ماروك دروا دو سوسيتي. غنكمل لكم الكونترا دو سوسيتي. اليوم إن شاء الله غنتكلمو على لي دو كونديسيون اللي بقاو لينا، اللي هما أول تاني كونديسيون هو كونتينير les quatre éléments spécifiques de contrat de société. يعني هنايا باش تكون واحد الكونترات دو سوسيتي فالابل خاص الكونترات دو سوسيتي تريسبكتي لي كونديسيون سبيسيفيك. هاد لي كونديسيون سبيسيفيك هما اربعة. اول كونديسيون سبيسيفيك هو لا بليغاليتي داسوسي. لا بليغاليتي داسوسي يعني خاصو يكونو او موان دو زاسوسي، au moins deux personnes pour créer un contrat de société. Pour que un contrat de société soit valable, il faut au moins deux personnes être convenues. Donc, mais qu'il y ait des exceptions. Qu'il y ait des exceptions dans quelques formes de société. Les plus au moins de sociétés. Première exception, c'est la société anonyme. La société anonyme, il y a au moins ça comme ça. Monsieur, au moins deux, ça comme ça, de la exception. Donc, au moins cinq associés. Aussi pour la société en commandite par action. Il y a quatre associés. Au moins quatre associés. Les Romains, trois commanditaires. Les mecs qui ont la qualité de commerçant et un commanditaire qui a la qualité de commerçant. Il y a aussi exception de SARL unique. Il y a la forme de SARL. C'est le SARL unique qui a fait rire un associé. Ça fait. Aussi, il y a exception de SARL. SARL fait le maximum 50 associés. Donc, il y a une exception pour la pluralité des associés. Donc, il y a les conditions de la pluralité d'associés, c'est pour créer un contrat de société, pour qu'un contrat de société soit valable, il faut au moins deux personnes. Mais il y a des exceptions. Les exceptions sont au sein de la société anonyme, il y a au moins cinq associés. La société en commandite par action, il y a quatre associés, trois commanditaires et un commanditaire. Ça, il y a une clé qui existe seulement un associé. Et enfin, pour la SARL, les qui confient le maximum d'associés, 50 associés. Donc, un peu d'abord, deuxième condition, voit les apports en société. Dans la condition très importante, pour créer une société, là, pour que le contrat de société soit valable, ou le Hajar, puis la réalité associée, au moins deux associés ou l'acteur. Aussi, il les apports. Il y a des associés qui sont des apports. Les apports sont des biens que les associés apportent à la société. Les apports, on m'a dit bien, qui apportent les associés à la société. Donc, on a trois types d'apports. Maintenant, les apports en numéraire, on a les apports en nature. On a les apports en industrie, la comptabilité des sociétés. Les apports en numéraire, c'est quoi les apports en numéraire? Les apports en numéraire, il s'agit des apports en argent qui ont leur contrepartie au bilan dans le compte capital. Je nomme les apports en numéraire comme l'argent. Il y a une société qui est comme apport argent. Il y a ni argent qui diront qui est sur le capital de la société. Donc, il y a une remarque très importante. Il ne faut pas les confondre. Il y a des apports en numéraire. Il ne faut pas confondre les apports en numéraire avec les prix. Les prix, il y a donc les créances, les prix que pourraient consentir les associés à la société. Il y a une l'associé qui j'ai le prix, une créance, ou qui j'ai argent. Voilà qui les dettes, la machine, apport en numéraire. Donc, la chose,
Donc, ma m'kinch anna khaltom. Autre type des apports, ou les apports en nature. Les apports en terre, donc, ce sont des biens, soit des biens corporels, soit des biens incorporels, des biens corporels pour les meubles, les machines, les matériels, les marchandises, les stocks, les biens qui sont incorporels, par le fonds commercial, par les brevets, par les créances, ce sont des apports en nature. Aussi, qu'il y a les apports en industrie. Les apports en industrie, sinon les apports en industrie. Les apports en industrie signifient qu'on a un associé peut mettre à la disposition de la société son travail, ses connaissances techniques, ses compétences. Il y a une méthode, ou à l'associé, mais j'ai besoin d'apport en émer, mais j'ai besoin d'apport en nature, j'ai besoin d'apport en nature. Le travail dialo, il y a qui veulent entrer le معكم بالخدمه, entrer le معكم بلي savoir faire dialo, entrer le معكم بلي connaissances techniques. Had les apports en industrie sont rares. Très parce que les sociétés qui acceptent had les apports en industrie. Les apports en industrie sont rares car en général le travail est rémunéré en salaire et non en véritable droit des associés. Et normalement le travail, il dit que nous sommes associés chez les collègues, nous avons les entreprises ou les sociétés qui sont rémunérées par des salaires, mais aussi par des actions, par des parts sociales. Donc, les apports en industrie sont rares et ne sont pas acceptés pour plusieurs formes de sociétés. Il y a des sociétés anonymes refuse d'accepter les apports en industrie. Par contre, quelqu'un dit que les apports en industrie sont acceptés surtout dans les sociétés en nom collectif et les SAR. Donc, on va dire qu'il est acceptable. Troisième condition, c'est la recherche des bénéfices à partager et la contribution aux pertes. Donc, à des conditions très importantes pour que un contrat de société soit valable. Il y a un objectif derrière la constitution de chaque société et la réalisation et la répartition des bénéfices. Il y a un objectif de chaque société c'est de faire et de faire les erreurs. راه هادشي اللي كاين. اي واحد كيبغي اسس شي شركه راه الهدف الاول ديالو هو لا رياليزاسيون دي بينيفيس, يعني لا ريشيرش دي بينيفيس والبارطاج ديال البينيفيس, يعني باغ دي غان. سواء هاد لي غان كيكونوا بيكينير, يعني ربح مادي ولا ماتيريال, يعني يقدر يكون شي حاجه اللي هي ماتيريال. باغ اكزومبل شي سوسيتي اللي كدير باغ اكزومبل كتعطي دي برودوي ولا شي حاجه. اي اوسي لا كونتريبيسيون او بيرت, راه ماشي كنقولوا اننا في لا سوسيتي كرينا واحد لا سوسيتي واحد الكونترات سوسيتي انا معاكم غير في الرباح, الخساره ما معاكمش فيها. نو, يعني ملي كتسيني ان كونترات سوسيتي كتقول انا كنقلب على الربح, راه انت معانا في الربح ومعانا حتى في الخساره. يعني ايه ربحنا؟ راه كنربحوا اونصومبل, ولا خسرنا كنخسروا اونصومبل, يعني كنتحملوا الربح وكنتحملوا الخساره. داكشي علاش قلنا لا غوشيرش دي بينيفيس ا بارطاجي اي لا كونتريبيسيون او بيرت, يعني حنا كلنا كنقلبوا على الربح وكلنا غادي نقتسموا نقسموا بيناتنا, ولكن اين فوا كتكون الخساره راه كنتحملوها كلشي. كنكونوا اسوسي في الربح واسوسي حتى في الخساره هادي. انفا la volonté de collaboration ou affection sociétaire. Donc, dans beaucoup de contrats, je vais vous dire les contrats, dans le cas où les parties qui signent le contrat, qui ont des intérêts contradictoires ou opposés. كاين واحد الكونطرا مثلا كتلقى كل واحد ولا انتيغي ديالو, كتلقى دي زانتيغي كونتراديكتوار. مثلا واحد الكونطرا ديال مثلا ديال الفونت, واحد
الهدف ديالو مثلا داك اللي باع الهدف ديالو هو يشد لارجون فلوس، وهداك اللي شرا الهدف ديالو هو يتنفع بداك داك مثلا داك داك لو بيان اللي شرا. مي دو لو كونترا دو سوسيتي il doit y avoir un esprit sociétaire. Le contrat de société qui est l'esprit sociétaire. Et il peut signer le contrat de société qui a des intérêts, les hommes des intérêts communs. Et il peut signer un nefs le hedef. Et il peut signer la volonté de collaboration. Il peut la volonté de taoun. Collaboration, de l'itihad. Et de l'égalité pour la gestion de l'entreprise. Il y a un objectif, un objectif, un intérêt, un objectif. Nous avons un objectif. Nous avons un esprit sociétaire, un charaka, un esprit. Nous avons un objectif de la société, nous avons un objectif de la société. Nous avons un objectif. 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 هادي كيكون فيها لابسونس ديال هاد الفولونتي دو كولابوراسيون. علاش؟ لان كتكون الشركه في ملكيه واحد الشخص، يعني هو كيشوف غير راسو هو. دونك هذا بو هاد 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 الكونديسيون. هذا اخر كونديسيون بور لو كونطرا دو سوسيتي هو اتر اكومباني دي فورماليتي انيميري بار لا لوا. يعني اننا كنهضروا على لي فورماليتي غولاتيف ا لا كرياسيون دي سوسيتي. La société comme un contrat qui a une formalité d'arrondissement. Donc, on a la rédaction des statuts, le dépôt des statuts, l'immatriculation au registre de commerce et la publicité. La rédaction des statuts. D'abord, le contrat de société doit être rédigé par écrit. Il y a un contrat de société qui a été كتري ديجا كتكتب هاد ليكري كيتسمى ستاتي. يعني بغينا نأسسو واحد لا سوسيتي كنكتبو واحد ليكري كونطرا. هاد الكونطرا ولا هاد ليكري كيتسمى ستاتي دو لا سوسيتي. لي ستاتي ديال ان سوسيتي بوف اتر ريديجي سوا بار ان اكت اوتونتيك. ملي كنقولو اكت اوتونتيك سي ديغ اكت دوفون ان نوتير، يعني واحد الموثق اللي كيكتبو كيكون واحد الموثق هو اللي كيوثق لينا. هذا كيتسمى اكت اوثنتيك سوا بار ان اكت سوسي بريفي، يعني ولا اكت يعني بيناتنا بريفي. دونك هاد لي ستاتي ديال لي سوسيتي دواف كونتينير اش لي فورم دو لا سوسيتي. ستاتي ديال لا سوسيتي خاصو يكون فيه الفورم ديال سوسيتي. واش هاد لا سوسيتي نديرو وستار ولا سوسيتي انونيم ولا سوسيتي اون نو كوليكتيف ولا سوسيتي اون كومونديت اكسيتيرا. اوسي خاصو يكون فيه لا دينوميناسيون سوسيال بريسيز. لا دينوميناسيون سوسيال بريسيز يعني مثلا كنقولو سوسيتي انونيم او كابيتال دو 300,000 ديرام باغ اكزومبل. هذا دينوميناسيون سوسيال بريسيز ولا السميه ديالها. Aussi, il confie l'objet de la société. Il confie le siège de la sociale. Le siège social est le lieu principal de l'établissement de la société. Il confie le montant du capital. Il confie les apports de chaque des associés. Il confie la durée de vie de la société. Ou la durée de vie de la société, pas plus de 99 ans. Ce n'est pas plus de 89 ans. Et aussi, ce qu'on fait, les modalités de fonctionnement. Il confie le gérant, l'administration, l'administrateur, il confie la durée de l'exercice. C'est quoi le chassé-con? Ou il demande à l'autre. Pour le contrat de société, il y a la rédaction des statuts. Les statuts sont écrits, les contrats de la société, qui sont statuts. Le statut, comme
devant un notaire et t'accepte devant un notaire qui est un acte authentique ou là monsieur devant un notaire qui est un signe privé. Donc had les statuts et ni had l'écrit à celui qu'on fait la forme de la société, je ne vois pas sharika, la star ou la star société anonyme ou la société non collective, à celui qu'on fait la dénomination sociale précise, il y a des millions d'yel sharika, mais des millions d'argent au même bed, mais c'est une grosse société anonyme capital ديالو ولا مثلا احمد ايسي زاسوسي سوسيتي اون نون كولكتيف بحال هكا مثلا اوسي خاصو يكون فيها لوبجي دو لا سوسيتي خاصو يكون فيها لو سييز دو لا سوسيتي يعني سييز سوسيال يعني المقر خاصو يكون فيها لو مونتون دو كابيتال شحال في الكابيتال خاصو يكون فيها لي زابور دو شاكان دي زاسوسي كل اسوسي شنو هو لابور ديالو شحال جاب خاصو يكون فيها لا دوري دو لا سوسيتي لي خاصو يكون طالما تنس انسانه وخاصو يكون فيها لي موداليتي دو فونكسيونمون اللي هما لو جيرون شكون هو المسير شكون هو لادمينستراتور لا ديوري ديال ليكزيرسيس ديال هاد الجيرون ولا ديال لادمينستراسيون اكسيتيرا اوسي parmi les conditions كاين عندنا لو ديبو دي ستاتي يعني من بعد كنديروا لا ريداكسيون دي ستاتي كنجيو لو ديبو يعني كنحطوه هنايا دون لي 30 جور de la constitution d'une société commerciale, elles doivent être déposées au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société en formation. Il y a donc de la constitution de la société reçoit et déposé la greffe le kitab al-amma il mahkama parce qu'elle le siège social parce qu'elle le maqar de la société a dit خاصهم يديبو ستاتي ديالو يديرو ديبو ديال ستاتي ديالو دونك اون فورماسيون دو خاصو يكون معاهم اش دو كوبي دو كوبي لورسكو لي ستاتي سون ريديجي سوا باغ ان اكت اوتنتيك يعني خاصهم يديرو دو كوبي ديال لي ستاتي الا كان هاد لو ستاتي تريديجاو ديفون ان نوتار يعني اكت اوتنتيك اما الا ما كانوش تريديجاو ديفون ان un notaire, parce que nous deux exemplaires et les canaux rédigés par acte sont signes privés. Donc, avant l'immatriculation, il n'y a pas de l'immatriculation, il doit sigil tigéri, c'est du syndicat sigil tigéri. Le greffier, il n'y a pas l'immatriculation, donc il dit le dépôt, il les statuts, il dit le kitaba, كتابة الضبط في المحكمة هذاك لو غريفي اكزيست ان دوبل كونترول هذا قبل ما يدير لي ماتريكيلاسيون ما كنعطيو هاد لي ستاتي هاد لو غريفي كيدير دوبل كونترول لو بروميي اي تان كونترول دو فورم اول كونترول كيدير هو كونترول دو فورم لو غريفي ساسور دو لا ريغولاريتي دو لا ريغولاريتي دو لا دوموند de sa conformité aux pièces déposées et de sa comptabilité avec l'état du dossier. Il y a qui chauffe le fond, qui chauffe le roi, qui t'accède de l'homme, qui t'accède de l'objet, qui t'accède de l'homme. Le second contrôle qui dit le greffier est un contrôle de fond. Il y a le greffier doit vérifier que la concession de la société est conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui la réussissent. Yani qui t'accède wach had la constitution de la société wach mutabiq ma'a al qanoun wach mutabiq ma'a al ijra'at al qanouniyya etc. Donc min bad katji l'immatriculation au registre du commerce min bad qui vérifie le greffier qui dit le contrôle qui vérifie le dossier qui vérifie le papier qui vérifie le colchi qui j'ai l'immatriculation le registre de commerce. Donc, l'étape est très importante car la date d'immatriculation qui est donc le point de départ de la durée de la société. Il y a une date immatriculée de la société le registre de commerce. Après, on va dire que la vie de la société ou de la société est rapide. Donc, on a une personnalité morale. Mais, quand j'ai quatrième étape, il y a la publicité. Donc, je n'ai pas de la publicité. La publicité soit
le bulletin officiel, soit les journaux des annonces légales. Donc le rôle de la publicité est d'informer les tiers. Les tiers, les fournisseurs, les clients, les banques, les créanciers, tout ce qui est informé. Donc, la publicité, il y a un faux bira, il y a un faux la société qui a créé. Ou alors, il y a une publicité qui est dans le bulletin officiel, ou qui est dans les journaux d'annonce légale. Donc, d'abord, ça a de la partie du contrat de société. D'abord, Inch'Allah, la vidéo, le mokbil, on va donner compte. Partie jdida, il y a la société personne morale. Dans les comme la société personne morale, et après, on a les formes de la société commerciale au Maroc.